Les animaux et les hommes sont égaux. Autrefois, l'animal en France, c'était un objet. Et désormais, dans la loi, l'animal est considéré comme un être sensible. J'aime pas qu'on parle des singes et qu'on les considère comme des animaux inférieurs. Chez saint François n'est pas considéré dans un sens animiste, mais comme l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça justement qu'elle est magnifiée. Nous autres, nous considérons la nature comme un objet. Descartes, par exemple, considérait les animaux comme des mécaniques. Et nous avons gardé un petit peu cet esprit. Or, lui, il a une relation complètement différente avec la nature. Il dialogue avec la nature. C'est-à-dire qu'il considère tous les animaux, non seulement les animaux, mais aussi les pierres, mais aussi les plantes, comme des sujets avec lesquels on peut dialoguer.